こんにちは。京都民際日本語学校の大島です。今日は、学生のサラさんにインタビューしたいと思います。皆さん、こんにちは。私はサラです。フランスから来ました。去年の4月から日本に来ました。そして今、私の日本語のレベルは中級です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、フランス語と日本語でインタビューしていきたいと思います。Quel est le genre de collège Kyoto Minsai? Cette école est vraiment bien pour étudier le japonais. D'abord, les professeurs sont vraiment très accessibles, donc les cours sont vraiment intéressants. Et si on a des questions, on n'hésite pas à aller les voir. Donc, c'est vraiment très intéressant d'apprendre avec eux. Également, les professeurs du secrétariat sont d'une grande aide. Actuellement, les papiers pour le téléphone ou par exemple la banque, c'était une vraie inquiétude pour moi, mais ils nous prennent vraiment en charge. Donc ici, on est vraiment en sécurité. C'est très bien. はい、ありがとうございます。では、クラスについて教えてください。はい、今私のクラスは15人です。世界中からの学生が多い。今多分ネパール人やタイ人やインドネシア人もいます。アジア人が多いです。でもヨーロッパ人もいます。とても面白いです。宿題やクラ、テストについて教えてください。はい。はい、多分レベルによって違います。初級の時テストと宿題は毎日しました。テストは小さくて多分5分ぐらいかかりましたでした。かかりました。すみません。はい、小さいテストは小さくて多分15分でした。はい。そして宿題、毎日しました。今中級になって小さいテストは少なくなってきた。でも大きいテストは初級も中級もあります。はい。ポンドモデチュールブザベフスユニボックス。Quelle est la chose importante pour vous obtenir? Pour moi, il y a deux choses importantes. D'abord, il faut avoir un jour de présence assez conséquent. Il ne faut pas se reposer tout le temps, sinon on n'est pas éligible à la bourse si on manque trop l'école. Et également, le sérieux de l'élève est important. Les notes sont prises en compte, mais le plus important, c'est vraiment de rendre ses devoirs en temps et en heure et d'être sérieux dans ce qu'on fait. Et parlez-moi de la bourse que vous avez obtenue. j'ai vraiment de la chance d'avoir reçu cette bourse parce que j'ai un travail à temps partiel qui couvre mes dépenses, mais ça m'a permis de mettre de côté et d'en profiter des fois pour voir les coins autour de Kyoto et de prendre du temps pour moi. C'est vraiment une grande chance d'avoir cette bourse. La question suivante est: quel est votre meilleur souvenir? C'est difficile de choisir, je pense que j'en ai deux. La première, c'est la sortie scolaire au Kiyomizu-dera. Donc on y allait en classe avec les professeurs et c'était vraiment très intéressant. Également, j'ai pu faire le Seijin-shiki. Le nom, je m'en rappelle jamais. Seijin-shiki. C'est la cérémonie pour les 20 ans. Au Japon, on devient adulte à 20 ans et c'est une cérémonie pour ce jour spécial. Seijin-shiki. はフランスでは同じような式はありますか？ありません。まず18歳は大人になります。それが違う。そしてその式はありません。成人式は聞いたことはありましたか？いえ、知りませんでした。はい。成人式ではどんなことをしましたか？まず着物を着て、あとでお酒一口飲みました。皆様ちょっとスピーチをしてあとで一緒にお寺に行きました。楽しかったです。いい思い出ですね。パフレモアポトフスティルデビーオンジャポン。J'ai un style de vie plutôt simple. Je vais à l'école, j'ai mon travail à temps partiel et de temps en temps je fais des sorties avec des amis quand j'ai le temps. Et également cette école est vraiment bien parce qu'elle propose des classes culturelles et de temps en temps on va également voir des matchs de foot si on en a l'occasion. L'école a aussi des activités à faire et c'est vraiment une chance d'avoir ça. Quelle classe culturelle as-tu
Participer. La première classe que j'ai faite, c'est la calligraphie. Donc, quand on écrit les kanji avec un pinceau, c'est extrêmement dur pour moi, je ne suis pas très douée. Mais c'était vraiment intéressant parce qu'avant de faire l'activité, les profs nous donnent toujours une explication de ce qu'on va faire en fait, donc la calligraphie. Après, j'ai participé à un événement concernant Tanabata, donc c'est une légende au Japon, et on a fait des origami concernant cette légende. Et pour finir, j'ai participé également à une classe de shogi, donc on a appris des règles très simples pour jouer au shogi. C'était très amusant. Quel est votre routine quand vous avez école? Alors, si j'ai travail à temps partiel le matin, d'abord je vais à mon travail à temps partiel et après je vais en classe parce que ici il y a deux classes, l'après-midi et le matin. Moi j'ai classe l'après-midi donc j'ai le temps d'aller au travail le matin et ensuite là, après, quelquefois je vais faire mes devoirs avec des amis après l'école ou simplement rentrer faire mes devoirs. Et quand je n'ai pas travaillé à temps partiel, j'en profite des fois pour réviser ou faire mes devoirs aussi le matin parce que c'est important de réviser. Les gros tests sont assez difficiles, il faut être assez rigoureux dans ce qu'on fait quand même. D'accord. D'accord. Et votre routine quand vous n'avez pas d'école? Alors, quand j'ai pas école, bah, généralement je fais mon travail à temps partiel les week-ends. Mais quand je sais que je vais avoir un jour off, un jour de repos, j'essaye de voyager avec mon ami autour de Kyoto. Toko e ikimashita? Osaka ya Nara ya Shiga ken mo ikimashita. Shiga ken wa okimizumi ga arimasu kara sono tokoro wa ii to omoimasu. Shiga ken suki nan desu ne. Hai, arigatou gozaimasu. Quel genre de travail à temps partiel faites-vous? Je nettoie les chambres dans un hôtel, je fais le ménage. Et comme j'ai bien travaillé, j'ai été promue également checkeuse. Donc en fait, je check les chambres avant que les clients arrivent. Et j'ai pu également former des nouveaux staff. Et comment avez-vous trouvé ce travail à temps partiel? J'ai trouvé ce travail grâce à l'école. En fait, sur le réseau social de l'école, ils postent souvent des offres d'emploi pour les élèves. Et les gens de cet hôtel sont venus à l'école pour rencontrer les élèves et j'ai eu comme une sorte de petite interview avec eux et j'ai été recontactée par la suite parce qu'ils m'avaient choisi. Bien, passons à la dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend après avoir vécu au Japon? Pas tellement. L'image que j'avais du Japon avant de venir et celle que j'ai aujourd'hui est plutôt similaire. Je pensais que les gens étaient vraiment polis et que les rues étaient plutôt propres. Enfin, il y avait une bonne éducation, entre guillemets. Et c'est plutôt le cas. J'ai jamais eu de problème et les gens sont vraiment très gentils. La seule chose qui m'a surprise, c'est les distributeurs au milieu de la rue. Il y en a vraiment partout. C'est vraiment très pratique. J'adore. D'accord. Et il y a quelque chose de différent entre le Japon et la France? Oui, il y a quelque chose de différent. Premièrement, je pense que c'est les restaurants. Ils sont vraiment pas chers ici, c'est-à-dire que si vous voulez manger sur un coup de tête avec des amis, c'est beaucoup plus facile. Les repas, ils sont peut-être à 4-5 euros comparé à la France, c'est pas cher. C'est vraiment sympa quand on veut se faire des petites sorties. Et également, le dimanche, beaucoup de magasins sont ouverts. Ça vit tous les jours, en fait, ça vit, ça ne s'arrête pas. Et c'est très pratique. Vraiment, c'est plutôt sympa. いろいろあるんですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今日のインタビューはこれで終わります。さようなら。さようなら。